He's a big expert on it. We're gonna shake it like for you. Can you just say bonjour les petits rapporteurs? Bonjour les petits rapporteurs. Rapporteur. Ok, bonjour. Bonjour les petits rapporteurs. Ok, are you ready? One, two, three. Bonjour les petits rapporteurs. Bienvenue à Cairns. Sur la promenade. Sur la promenade, this is the promenade. The promenade. Et voilà notre terrain de beach volley. Donc pour Thomas et Nico, vous remarquerez, on n'est pas allé sur le même... Oui, on n'est pas sur les mêmes corps. Hein. Sur les mêmes critères physiques, je pense. Secret love that lived within the heart. Alors en Australie, voilà, vous avez plein de petits endroits comme ça dédiés au pique-nique avec des barbecues. Ce qui chez nous n'existerait pas du tout parce que les bouteilles de gaz auraient déjà été enlevées et le truc démonté. Mais c'est vraiment très très agréable partout. Vous avez that dreamers often do, just how wonderful you are, why I'm so in love with you. Now I shout it from the hottest tears. Secret love's no secret anymore. Donc il n'y a pas de plage ici parce qu'il y a des crocodiles, mais par contre vous avez une petite piscine pour les habitants avec la plage, un peu de sable, de l'herbe, des barbecues, des tables de pique-nique. C'est assez sympa, c'est bien arrangé. Bon, on préfère les vraies plages, on est d'accord, mais c'est quand même pas mal fait. Et qu'est-ce qu'on a réservé, François? Alors on vient de se réserver une petite excursion, je ne vais pas vous montrer là, je n'ai pas là, mais une petite excursion demain, on prend un bateau de croisière, on est sur le Lower Deck parce qu'on a payé un peu moins cher, donc on a interdiction de monter à l'étage, pour aller où? Sur la barrière de corail extérieure. Et là on va avoir une journée de snorkeling, on fait deux récifs principaux, toujours en hauteur, et on a une plongée, introduction à la plongée. Et sachez les petits rapporteurs, vous avez de la chance, c'est la saison des baleines. Donc il y a quelques chances pour qu'on puisse en voir. C'est pas forcé, pas obligé, mais quelques chances. Très bien, on verra. Les baleines j'aimerais bien, les requins moi je suis un peu paniquée, mais bon. Là, je voulais quand même préciser, Nana a bien précisé à Caroline qu'il n'y avait que des points noirs et des points blancs, et que donc du coup ils étaient gentils. Et qu'ils avaient même, ils étaient même plutôt effrayés, donc et qu'elles nageraient plus vite qu'eux. Bon, ça j'y crois pas trop. Oui, moi non plus. Salut les petits rapporteurs. Bon, alors on vient d'arriver à notre premier camping pour ce soir. On ne fait pas du camping sauvage parce qu'on avait besoin de charger le van pour le frigo parce qu'on a un frigo grand luxe. Donc je vous fais une petite visite. Là, c'est le coin cuisine avec barbecue. La petite table pour pouvoir dîner. Là, vous avez le coin cuisine. Là, c'est camping grand luxe et on ne paye que dalle. Hein. Donc voilà, François s'affaire en cuisine. Il va nous préparer un petit taboulet. Donc je vous fais faire une petite visite guidée du coup. Alors là, c'est notre coin cuisine. Voilà, donc vous avez l'évier, le frigo, n'est-ce pas? Avec, les gars, vous allez halluciner, mais tiroir. Bon, là, on va faire la vaisselle, donc on a tout enlevé parce qu'on n'avait pu faire la vaisselle. Là, vous avez un petit coin pour mettre la planche à découper et tout le tintouin. Voilà. Donc c'est très simple, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Pour avoir de l'eau, il suffit de pomper. Voilà. Donc on a des petits rangements sur les côtés. Là, on a fait le côté salle de bain. Là, tous les... le sel, le poivre, le miel, la confiture.
Et donc là, bah, là c'est notre van aménagé pour la journée. Donc vous voyez, on a une petite table, très pratique, n'est-ce pas? Voilà. Donc on a du courant, donc on peut charger l'ordinateur et travailler. Attention, on a des néons, hein, donc là, beaucoup de lumière quand on veut. Et puis là, c'est pour le pilotage, voilà. Donc on vous montrera l'installation pour la nuit, on va tout mettre en place là, une fois qu'on aura préparé le dîner. François va faire le taboulé, moi je vais aller tout nettoyer, toute la vaisselle. Et voilà, bon, bah, je vous dis à tout à l'heure. Alors je vais vous le fermer quand même pour vous montrer son petit look, parce que quand même c'est important. Il est moins cool que la dernière fois, mais franchement, on dort vraiment beaucoup mieux, il n'y a pas photo. Voilà. Voilà notre hippie van. Alors, c'est quoi le menu ce soir? C'est merguez, le petit rapporteur. Merguez et puis la première merguez à bouler, mais on n'a pas préparé. Alors, je vous noterai tout de même que aujourd'hui on a un barbecue qui fonctionne. Donc, on ne sait pas à quoi en tirer comme conclusion, mais ouais, on a un barbecue qui fonctionne. Donc là, on a un petit taboulé de prêt pour demain qu'on va mettre dans un petit tupperware au frigo, n'est-ce pas? Mmh. Et ce soir, on fait un riz pilaf merguez, du coup. Ça a l'air assez compliqué quand même, hein, parce que là, si je fais ça... Ah non, c'est bon, ça va. En fait, ça s'étend, en fait. Je suis en train de cramer les merguez, on est d'accord? Ouais. Mais c'est bon, ça s'étend.